Mais là, c'est en plus. Françoise, quelle est ta profession d'origine? Moi, je suis secrétaire, je m'occupais de l'administratif dans ma boîte, dans une petite boîte de nettoyage. Et tu as commencé à quel âge? J'ai commencé assez tard, j'ai commencé par élever mes deux filles, Anne et Laure. J'ai commencé, j'avais 28 ans, je crois. 28 ans. Et à quelle occasion as-tu rencontré le syndicalisme en général et peut-être plus particulièrement la CGT? Ça s'est fait comment? Eh bien, dans une boîte de nettoyage, les revendications ne manquent pas. Les conditions de travail se sont d'ailleurs beaucoup dégradées au moment où je suis arrivée. Et ça bougeait beaucoup dans l'entreprise. Tout le monde avait un peu envie que ça change. Et comme j'avais un père militant, un mari militant, comment je Il y avait un climat dirais, déjà. voilà, mon inclination allait vers créer un syndicalisme. Ma patronne m'a appelée pour me dire qu'elle allait créer un syndicat, un comité d'entreprise et qu'il n'y avait qu'une personne dans l'entreprise qui pouvait mener ça, c'était moi. Donc je lui ai dit que j'étais d'accord mais que je ne serais pas une potiche. Et le soir même, j'étais à l'UEL de Juvisy pour dire que je voulais monter un comité d'entreprise et me syndiquer, comment j'allais faire. D'accord, ah oui, c'est un départ sur les chapeaux de roue, si on peut dire. Oui, c'est d'autant plus que personne ne savait où me mettre. Le parcours du combattant pour être syndiqué à la CGT, c'est une réalité. Personne ne savait où le nettoyage pouvait se mettre dans les fédérations. Donc j'ai commencé par être 3 mois dans le bâtiment. Dans le bâtiment, et maintenant c'est où d'ailleurs? C'est la fédération des ports et Les docks. ports et docks, oui. Exact. Parce que c'était le nettoyage des cales. Exact. Voilà. Il y a une raison quand Il y a même. une raison. Donc, rencontre avec le syndicalisme, et visiblement, tu prends assez vite des responsabilités. Tu te souviens de ta première grève? À ma première grève, oui, je m'en souviens. J'étais dans une entreprise qui faisait l'ensemble du nettoyage des cités de la région de tout le tour de la région parisienne. Et j'ai réussi à mettre la quasi-totalité des chantiers en grève. Je suis allée voir les chantiers les uns après les autres. Effectivement, il y avait beaucoup Et de... quelle responsabilité tu avais à ce moment-là? J'étais responsable du syndicat. D'accord. J'avais créé le syndicat. Ah, tu avais créé le syndicat. Et j'avais, sous les bons conseils de mon mari, j'avais essayé d'avoir des délégués des plus gros chantiers. Donc j'avais des délégués d'un peu partout dans la région parisienne, tout le tour de la région parisienne. Et là, effectivement, personne, me connaissant, personne ne croyait que ça pourrait se faire. Et ça s'est fait. Avec l'aide des UL, d'ailleurs, d'un certain nombre de localités. Donc, une femme syndicaliste arrive à mobiliser et faire débrayer des collectifs d'hommes de différents chantiers. Et d'hommes immigrés. Et d'hommes immigrés. Oui. Et ça s'est passé comment là? Quel sentiment tu as? Ça s'est passé relativement bien? Tu as été accepté? Ah, j'ai été complètement acceptée. C'était d'ailleurs beaucoup plus facile sur les chantiers que dans les bureaux. Parce que dans les bureaux, le patron est là, la patronne plus exactement d'ailleurs, à surveiller, à me surveiller, mais aussi à surveiller les autres. Alors que sur les chantiers, j'étais totalement libre. Et effectivement, j'étais très très bien accueillie. Hommes et femmes. Hommes et femmes, ouais. Et ensuite, après avoir fait débrayer tous ces chantiers, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai continué, d'ailleurs, on en a refait une autre après. Et puis, je suis. Comme l'UEL de Juvisy m'avait beaucoup aidée, j'ai pensé qu'il fallait que j'aide l'UEL de Juvisy. Donc, j'ai eu quelques responsabilités à l'UEL de Juvisy. Puis, à la première campagne prud'homale, j'ai dit que je voudrais bien être conseillère prud'homale. Et l'UD m'a dit non, 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 on aimerait mieux te donner autre chose. C'est-à-dire. Et bien, j'ai été 2 ans, je crois, responsable aux employés à l'Union départementale de l'Essonne. Ah oui, c'est-à-dire qu'ils ont préféré t'avoir comme militante auprès des salariés plutôt que dans une instance représentative. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses avec le recul? Qu'est-ce que j'entends? J'aurais beaucoup aimé être conseillère prud'homale, mais j'aimais beaucoup, beaucoup le contact avec les salariés et les organisations en général. Ouais. Ça, c'est ce que j'aime. Alors si on continue alors après, est-ce que tu as continué
à être autant en contact avec les salariés? C'est plus compliqué. C'est vraiment plus compliqué quand on prend des responsabilités. Après, j'ai été secrétaire à l'organisation à l'UD, puis secrétaire général. On a plus à faire aux organisations elles-mêmes. Ce qui est intéressant, parce que d'abord, il y a une grande diversité d'organisations sur une union départementale, beaucoup plus, à mon avis, beaucoup plus que dans une fédération. Et donc, il faut s'adapter en permanence. On ne peut pas transposer d'une entreprise à l'autre ce qui se fait. Donc, c'est très, très intéressant. Il faut absolument réfléchir à la situation de l'entreprise elle-même, à la situation des camarades responsables. Oui, c'est vraiment très intéressant. Et c'était extrêmement différent de ce que j'avais vécu moi. Parce que pendant tout un temps, j'ai pensé que le syndicalisme que je faisais à la SAN, dans mon entreprise, c'était pas le vrai syndicalisme. Et pourquoi ? Parce que c'était très compliqué, le fait qu'il faille que je me transporte sur tous les chantiers. Ma patronne ne voulait pas transporter les délégués. Donc, tout au début, c'est moi qui allais chercher les délégués pour aller en réunion. Je suis d'ailleurs allée voir ma fédération pour demander comment j'allais faire, mais la fédération n'a pas su me répondre. Et ben, j'ai abandonné l'idée que la fédération m'aiderait. Donc, j'ai continué comme j'ai pu avec les organisations locales. L'Essonne, en plus, est assez particulière parce qu'elle a beaucoup d'entreprises d'ingénieurs et cadres, techniciens supérieurs. Et donc, ça donne une tonalité assez particulière et qui était à l'inverse de ce que je pouvais voir. Ce que tu avais côtoyé jusqu'à présent. Les revendications de mes camarades immigrés, qui m'ont d'ailleurs donné de belles leçons de démocratie, étaient complètement différentes de ce qu'on pouvait trouver à la faculté d'Orsay ou à la SNECMA. C'était autre chose. C'était des revendications de vie aussi, des conditions de vie aussi. Oui. Ce dont ils étaient souvent. Absolument. Ouais. Travailler, c'est inimaginable les conditions dans lesquelles on pouvait les faire travailler. Les gars qui faisaient les poubelles, ils travaillaient des fois dans de l'eau, de 10 cm d'eau dans les caves. J'ai vu, moi, un copain me donner ses bottes pour que j'aille voir dans une cave ce qui se passait. En fait, à l'UD, je me sentais un peu hors champ. Donc ensuite, tes activités, tes responsabilités ne s'arrêtent pas là. Qu'est-ce que tu as fait ensuite ? Eh bien, lors de mon mandat de secrétaire général de l'Union départementale de l'Essonne, j'ai été élue à la CE confédérale de la CGT. Et tu avais quel âge à ce moment-là ? J'étais élue à 40 ans. Ah oui. Il y avait beaucoup de femmes à l'époque ? Je pense que c'était. J'ai été élue à la première commission exécutive confédérale paritaire. Paritaire. Oui, 46e congrès. Donc, première expérience au niveau de la confédération CGT. Oui. Alors, quel souvenir en as-tu ? Parce que c'est quand même l'organe de direction de la grande CGT. Comme tous, je pense, hommes et femmes d'ailleurs, hein. J'ai mis un peu de temps à prendre mes marques. Sauf si quand même, quand on s'est présenté la première fois, j'ai dit que j'habitais le plus beau département de France. Mais c'est vrai qu'il faut un peu de temps pour comprendre quel est son rôle. Quel rôle on peut jouer dans cette organisation. Comprendre qu'on a une responsabilité, que ce qu'on dit, ce qu'on vote a un impact sur la vie de la CGT et pas se laisser entraîner dans un mouvement. On a une responsabilité particulière. Ça, je l'ai vu assez vite. Je m'en suis pas forcément emparée assez vite, tout de suite. Hein. C'est un peu intimidant quand même. Ce d'autant plus avec l'expérience que j'avais et qui m'a semblé toujours être une CGT un peu différente. La mienne était un peu différente des autres. En quoi ? Sauf que,
Sauf que Bernard Thibault a été un des premiers à travailler beaucoup sur un syndicalisme différent. Le salariat change, donc le syndicalisme doit changer. Bernard était beaucoup là-dessus. Et en fait, moi, j'étais vraiment un représentant de ce que le syndicalisme devait absolument changer, parce que les salariés changeaient. Donc, je me suis assez bien retrouvée dans cette orientation. Ça me plaisait bien de dire qu'il fallait qu'on fasse bouger la CGT. Dans quelle direction ? Plus proche des salariés ? Plus proche des salariés tels qu'ils sont, et pas tels qu'on les a connus avant. Le salariat change, il change encore aujourd'hui. Je pense que c'est encore plus profond aujourd'hui, d'ailleurs. Donc, membre de la commission exécutive confédérale, là, tu développes ton activité. Tu as des dossiers en particulier à gérer ? Comment ça se passe ? Tu avais toujours ta responsabilité de secrétaire général. J'étais secrétaire général, oui. J'étais 2 ans. J'ai fait partie de la commission informatique. Ah oui. Parce qu'à l'époque, la CGT avait un système informatique qui était assez obsolète. Et il y a eu une grande difficulté à savoir ce qu'il fallait mettre en place. Donc il y a eu, comme j'avais moi exprimé des besoins sur ces questions informatiques, on m'a mis dans la commission informatique, qui a été une commission assez intéressante, parce que peu de camarades connaissaient quoi que ce soit à l'informatique. Et parce que il fallait que ce système informatique soit coordonné avec notre orientation. Et ça a été quand même très compliqué au départ à avoir un seul système pour les UD et les fédérations. Au départ, on avait décidé de faire un système pour les UD, un système pour les fédérations. Puis à force de discuter, à force de travailler, on a fini effectivement par avoir le même système. Mais ça a été compliqué. C'est la naissance de Cogétise, ça. Oui. D'accord. Alors, pas Cogétise. Cogétise, c'est le système de... Cotisation. Là, c'est le système pour travailler sur les syndiqués eux-mêmes. Cogiciel. Pour qu'on ait... Cogiciel, voilà. Ouais, je cherchais le mot, je ne me rappelais plus. Oui. D'accord. Ce qui a abouti à ça, c'est le Cogiciel. C'était un travail de longue haleine, quand même. On fait un grand saut et on parle d'une période plus récente. Je voudrais qu'on parle une minute de la commission FNI, parce que j'ai été présidente de la commission FNI. Ah oui, ben très bien, parce que c'est une chose d'ailleurs qu'on aborde assez rarement. Et c'est une chose quand même très importante, parce que cette commission FNI, qui est une commission de solidarité de toutes les organisations entre elles, fait vivre un certain nombre d'UD en particulier, mais de fédérations aussi. Et c'est un système indépendant de la direction de la CGT qui fonctionne bien et que j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler. C'est un endroit où on voit toute la diversité de la CGT. Je me souviens d'une fois où on avait le secrétaire général de l'UD de Lozère qui demandait une machine à écrire. On était déjà dans le système informatique, hein, qui demandait une machine à écrire, pendant qu'un département demandait l'informatisation de toutes ses UL. Donc il y a vraiment un écart énorme, quoi. C'était très très intéressant. Et ça nous oblige quand même à relativiser un certain nombre de choses et à prendre en compte ces diversités-là dans la CGT. Parce que forcément, il faut conduire une politique qui englobe toutes ces diversités-là. On ne peut pas faire une politique pour la région parisienne, par exemple, qui a été, dans la commission FNI, quand même très, très prépondérante à un moment. C'est un bel observatoire de l'activité de la CGT telle qu'elle est, quoi. Très, très bel observatoire. C'est une chose à laquelle on ne pense pas souvent, d'ailleurs. J'ai beaucoup aimé travailler à la commission FNI. J'ai tout aimé ce que j'ai fait à la CGT. Il faut que je souffle les interviews. J'ai tout aimé ce que j'ai fait à la CGT. La commission FNI, vraiment, c'est un peu à part. C'est marrant. On saute le pas un peu ? Oui. Hein, tu t'approches de la retraite ou tu y es ? Je ne suis pas en retraite. Oui. Parce qu'il y a
une volonté tacite de la CGT de dire que le rôle d'un secrétaire général d'une organisation où il y a plus de 100 000 syndiqués nécessite un travail à temps plein et que ça ne serait pas juste de le demander à un retraité. Donc c'était un actif qui était en responsabilité de l'UCR. Comment es-tu arrivé à l'UCR ? Est-ce que ça s'est fait naturellement ou pas ? Pas du tout. Non, ça ne s'est pas fait tout à fait naturellement. Et ça s'est fait par le biais de la commission FNI, bizarrement. J'avais fait deux mandats à l'Union départementale. Je souhaitais partir parce que je pense que deux mandats, c'est bien. On est toujours un peu en déséquilibre sur la brèche et qu'il ne faut surtout pas être dans la routine. Et que je sentais bien qu'un troisième mandat, ça serait plus confortable, mais pas forcément bien. Donc j'avais dit à la CGT que je voulais arrêter. J'avais mon successeur, donc j'ai arrêté. Mais je n'avais plus de boulot, puisque mon entreprise m'avait licencié, pour raison économique, parce qu'elle se délocalisait. Donc il fallait que la CGT me donne soit un emploi, soit une formation. C'est ce que j'ai demandé, parce que je n'avais plus de formation reconnue pour un employeur. Et c'est là où, effectivement, on m'a proposé l'UCR. Et j'ai dit, non, je suis capable de faire autre chose que d'aller chez les vieux quand même. Et j'ai une camarade qui m'a dit, Françoise, tu te trompes complètement. Il y a un vrai défi sur le syndicalisme retraité. Et franchement, il y a beaucoup de plaisir à travailler sur ce qu'il faut justement faire avancer pour l'UCR. Ça m'a fait réfléchir et j'ai dit oui. Et à ce moment-là, alors tu entres dans une nouvelle responsabilité ? À ce moment-là, je rentre dans une responsabilité complètement nouvelle. Puisque je n'avais pas d'expérience de fédération, c'est-à-dire que je n'avais pas d'expérience nationale, je n'avais qu'une expérience départementale, et j'arrivais dans une grande organisation nationale. Et j'ai mis un certain temps à comprendre que je ne connaîtrais pas toutes les organisations, que je ne connaîtrais sans doute même pas forcément tous les secrétaires généraux des UFR ou des USR. Des UFR, c'est plus facile, mais des USR... et qu'il fallait que je réfléchisse à comment j'allais travailler ce contact avec les organisations, qui est ce que j'aime faire. C'est une distance supplémentaire. C'est une distance supplémentaire. Et alors, comment tu as fait ? Eh bien, j'ai pris mon bâton de pèlerin et je suis allée voir les organisations. Toutes ? Toutes, non. Quasiment. Oui. Non, je ne les ai pas vues. Ça aurait fait beaucoup. Ça aurait fait beaucoup. Et on a un temps quand même assez limité. Mais ce qu'on a fait beaucoup, c'est qu'on a travaillé sur des sujets qui regardent les retraités. Alors, quelques exemples. Comment les retraités sont mieux intégrés dans la société ? Comment on leur donne l'accès à la culture, au sport ? Comment on travaille sur l'habitat, sur... Et puis, bien évidemment, aussi tout ce qui concerne l'autonomie, parce que c'est quand même un des sujets qu'on a beaucoup travaillé. Mais ce n'est pas le seul. On a vraiment travaillé sur qu'est-ce que doit être la vie d'un retraité aujourd'hui. C'est un peu la quelle conception avoir de la retraite comme une nouvelle vie, quoi. Exactement. C'est le titre de notre journal. Et de toute façon, oui, c'est vraiment... celui qui a inventé ce titre ne s'est pas trompé. Et on avait besoin de faire évoluer l'UCR sur s'ouvrir à ce que doit être la retraite. Pas seulement être le garant des lignes et de l'orientation de la CGT, pas seulement être... une force d'appoint pour les actifs, pas du tout. Je pense que le syndicalisme retraité, c'est une vraie force en soi, dont les actifs ont besoin. La vie, c'est un tout. On est bébé, on est enfant, on est jeune, on est plus âgé et on est en retraite. La vie, c'est un tout. On doit travailler l'ensemble. Et cette vie-là regarde l'ensemble du syndicalisme. D'autant que ça représente une partie de la population de plus en plus importante. De plus en plus importante, 16 millions aujourd'hui, et ce qui progresse le plus vite, c'est les plus de 85 ans. Donc c'est les plus âgés qui progressent le plus vite. On a vraiment une réflexion à avoir sur quelle vie mènent aujourd'hui les gens âgés. Pas seulement ceux qui arrivent en retraite,
à 62 ans aujourd'hui, mais demain, je ne sais pas. Hein, la bagarre sur les retraites va commencer. J'espère qu'elle va donner des victoires. Mais aujourd'hui, à 80 ans, la plupart des retraités sont plutôt en bonne santé, même s'il y a bien évidemment des incapacités, mais ils ont une vie normale, voire même jusqu'à 90 ans. Il ne faut pas oublier que 55% des retraités de plus de 90 ans vivent encore chez eux. Hein, on parle souvent des plus âgés avec l'idée que tout le monde est en maison de retraite, mais ça, ce n'est pas vrai. Hein, c'est, bien sûr que c'est un souci. Il faut savoir comment on va travailler cette question, puisqu'il va y avoir de plus en plus de gens de plus en plus âgés, mais qui rentrent de plus en plus tard en maison de retraite, quand ils y rentrent. Et on est loin, loin, loin de tous rentrer en maison de retraite. Alors, c'est la première fois, je crois, qu'une femme est secrétaire générale de l'UCR. Qu'est-ce que ça a fait bouger comme chose au sein de la CGT, à ton avis? Ça, j'ai beaucoup de mal à mesurer. À mesurer. Je dois avouer, peut-être c'est... Je pense que certaines femmes ne vont pas être contentes de ce que je dis, mais tant pis. Je me suis jamais sentie à part. Je me suis sentie complètement intégrée dans la CGT. Donc, j'ai du mal à voir ce qu'une femme a pu changer. Je ne sais pas. À changer le regard des autres, déjà, probablement. Sûrement changer le regard qu'une femme était capable d'occuper la responsabilité. Ça, je pense que je peux le dire sans modestie à outrance. Après, c'est pas que les femmes en responsabilité soient meilleures que les hommes. Quelquefois, on a tendance à avoir les choses comme ça. C'est pas du tout ça. C'est que leur place dans la société est différente. Donc, ce qu'elles amènent dans le syndicalisme, c'est cette place-là. Cette différence. Cette différence-là. Effectivement, sans doute, on est plus près du quotidien, mais parce qu'on gère le quotidien. Et c'est vrai aussi pour les retraités. C'est pas seulement pour les actifs, c'est vrai aussi pour les retraités. D'accord. Alors, responsabilité importante dans l'UCR, l'Union confédérale des retraités CGT, tu accèdes aussi à des responsabilités internationales. J'étais comme membre de l'UCR, membre de la FERPA, qui est la Fédération européenne des retraités et personnes âgées. Je crois effectivement que la CGT a beaucoup amené à la FERPA, même par mes prédécesseurs. On a amené, c'est mon analyse en tous les cas, le sentiment d'un vrai syndicalisme. Pas seulement d'une association de retraités, mais d'un vrai syndicalisme. On a beaucoup amené sur le revendicatif et sur l'action. Alors, on avait entamé une action très très importante sur la prise en charge de la perte d'autonomie avec cette histoire de pétition européenne. Et je dois dire qu'on a été vraiment un des moteurs sur cette question-là pour entraîner les autres. Oui, ça c'est vrai. Le problème de cette histoire qui était assez intéressante, c'est que la Commission européenne, étant juge et partie, n'a pas accepté notre dossier et qu'il faut absolument qu'elle l'accepte pour que ça aille plus loin. Donc on n'a pas pu mettre la pétition en route. Au départ, j'ai été très sceptique, mais en étudiant bien la question, on a beaucoup, beaucoup travaillé, l'UCR a beaucoup, beaucoup, dans son ensemble, toutes les organisations de l'UCR ont beaucoup travaillé sur cette question. Et effectivement, on s'était dit qu'on pouvait effectivement arriver à ce million de signatures pour obtenir des droits pour cette prise en charge de la perte d'autonomie pour tous les pays européens. Peut-être ça peut se poursuivre encore, je ne sais pas exactement où ça en est. On arrive au bout de notre entretien, Françoise. Quel regard portes-tu peut-être un peu sur ton parcours? Mais bon, c'est toujours difficile de se juger soi-même. Il faut laisser ce soin aux autres. Mais le regard que tu peux porter sur l'évolution du CR, finalement.
et la place qu'elle a prise au sein de la CGT et la place qu'ont pris le syndicalisme retraité dans la société. On a beaucoup travaillé sur cette question. Justement, que l'UCR soit partie intégrante du syndicalisme, que ça ne soit pas seulement cette force d'appoint dont je parlais tout à l'heure. Et Bernard Thibault a vraiment beaucoup travaillé sur cette question-là aussi, a vraiment a compris, je pense que Bernard a compris d'une part l'enjeu que représentaient les retraités dans la société française d'aujourd'hui, et pas seulement française d'ailleurs, et a compris qu'il fallait sans doute lui laisser un peu plus de place dans la CGT. Mmh. Cela dit, le secrétaire général de la CGT ne fait pas la CGT à lui tout seul. Il y a des résistances, ça c'est sûr. Le syndicalisme retraité n'est pas un syndicalisme actif bis. C'est un syndicalisme différent en ce sens que les retraités sont sur leur lieu de vie et non pas sur leur lieu de travail. Donc le lieu de revendication est beaucoup sur le lieu de vie. Et leur lieu de rassemblement encore plus fort sur leur lieu de vie. Et c'est sans doute ça, sur ça qu'on a le plus de difficultés. À trouver l'organisation qu'il faut pour un syndicalisme retraité qui n'est pas celui des actifs. Un syndicalisme qui arrive à concilier l'appartenance à une profession et en même temps une action, une mobilisation sur les revendications des lieux de vie. Absolument. Oui. Il y a les grandes revendications, mais elles ne dépendent quasiment plus du tout des entreprises. Donc, bien évidemment, on travaille avec les actifs parce que le syndicalisme, c'est un tout, mais on a besoin de travailler sur ce qui fait la vie des retraités là où ils sont et qui n'est pas la même chose en Lozère ou en région parisienne, par exemple. Juste une dernière évocation. Qu'est-ce que tu retiendrais de plus fort dans tout ton parcours et peut-être qu'est-ce que tu regrettes de ne pas avoir fait ? Ce qui me vient comme ça à l'esprit, c'est que la CGT m'a fait faire des choses que je me sentais totalement incapable de faire. Après, sur ce que... Sur le plus fort, je ne sais pas dire. J'ai vraiment beaucoup aimé ce que j'ai fait. Sur ce que je regrette de faire, sans doute, de ne pas avoir pu aller plus loin, justement, sur cette organisation des retraités. De ne pas avoir réussi à dépasser les freins qui existent encore sur qu'est-ce qui doit faire le syndicalisme retraité d'aujourd'hui. On est encore trop, à mon avis, sur l'entreprise et pas assez sur le lieu de vie. Probablement que les organisations sur le lieu de vie ont une part de responsabilité aussi dans cette histoire. Parce que on ne développe pas assez les revendications locales. On n'a pas assez de travail sur les revendications locales. Ça se fait, il y a certains endroits où ça se fait bien, mais on n'arrive pas trop à fédérer tout ce qui se fait, à donner des idées. Et il me semble que si on était plus sur les revendications locales, peut-être que les organisations qui restent attachées à leur entreprise auraient envie aussi de venir sur le terrain. Ça, c'est sans doute un regret de ne pas avoir été plus loin. Mais je pense que la prochaine équipe ira dans ce sens. On va dire que c'est un regret qui est une forme d'appel pour le prochain congrès à l'UCR. C'est totalement une forme d'appel. Merci Françoise.